Hey, salut à tous. Hey, what's up everyone. Bienvenue dans ce nouveau vlog franglais, français et anglais. Welcome in this new vlog franglish, so French and English. Today, I am with the energy and it's still a bit early in the morning. And we will see how do I train to put me in some difficulties to see if I can get some good times without launching high. So let's see that first. Donc voilà, aujourd'hui on va voir comment je m'entraîne par rapport à lancer bas et quand même faire les temps. Donc le but c'est de se limiter aux environs de 35-40 mètres et d'essayer de quand même faire des temps de tâches normales. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc là ce que je vais aller faire c'est je vais m'échauffer et après bon bah on attaque direct par les tâches. So what I will do, I will start by warming up and then let's go for the first task. Donc alors je vous explique. So I explain to you first in French, of course. Donc voilà, le but là c'est pas de faire une tâche particulière parce qu'il n'y a aucun intérêt a priori à faire des tâches en partant de plus bas, sauf dans certains exercices pour s'entraîner comme si c'est des conditions extrêmement dures. Là mon but c'est m'entraîner à rattraper de bas. Donc ce que je vais faire, en gros, mon temps cible c'est 3 minutes à chaque vol. Le but c'est de réussir le plus de fois possible à faire 3 minutes. Donc voilà, pour avoir un meilleur pourcentage et puis aussi améliorer la détection des thermiques au sol. Donc voilà, donc je vais lancer pas haut et essayer de faire 3 minutes à chaque fois. Donc aux environs de 35-40 mètres. So I will do some easy launch, so around 35 to 40 meters. And the target is to do all the time 3 minutes targets. So each one of my flights should be 3 minutes. And this is to train if I am in bad condition in the flight, if I make the wrong choice, I can get the thermal low and catch it and still make my time. So yeah, I will try to do that. So yeah, we'll see how many I can do. Maybe I will cut, maybe I will film everything, we'll see. So let's do the first one. So easy launch and let's go. Donc c'est parti, petit lancer. Voilà, je dois être à 30 mètres à peu près. Donc voilà, je vais par là-bas, j'ai senti un petit coup de vent. So I'm following the wind because I feel like something is happening right there. Peut-être que c'est plus près. I think it's closer. Closer to me. Oh, ça commence à bouger sous les ailes. Ouais, le vent a complètement tourné. Je pense que ça passait sur moi en fait. Et c'est pour ça que ça m'a dérouté un petit peu. Ouais, là il y a quelque chose ici. So there is a thermal. So the wind just spinned like a mad wind turbine. And then, so I came back here. And as you can tell, I'm not that low after that much of travel. This is the strong point about the energy. Energy. Donc ouais, voilà ce que j'aime bien à propos de l'énergie, c'est vraiment ça, ça permet de faire beaucoup de distance et de pouvoir se tromper. Ça j'aime bien, parce qu'avec certains autres planeurs c'est juste pas possible, tu te trompes, tu poses. Et les pompes sont faibles, hein. J'ai pas pris de pompe avant, c'est mon premier vol en essayant de choper un thermique. Bon désolé, c'est un peu le soleil dans la gueule, je vais essayer de faire ça un peu mieux. Mais bon, logiquement en concours on s'en fiche un petit peu si le soleil est dans la figure. Donc là j'en suis à 1,52. So I'm at 1,52. I moved because the sun in front of the camera is maybe not the ideal. Ok, and now I'm in sync. So maybe I will not make my 3 minutes, but this glider has long legs. It can really
make a lot of cover a lot of ground, and I think I find something. Yes. Donc ouais, vraiment l'avantage de l'énergie, c'est de pouvoir couvrir beaucoup beaucoup de terrain. Bon, là, le thermique que j'ai est pas fantastique, mais ça va me permettre de finir mon temps. Je suis à 2,29, ça fera largement les 30 secondes qui restent. Mais enfin, j'arrive pas trop à monter dans les thermiques. Hein. Ils sont vraiment très faibles. Là, celui-là est un peu mieux. Là. J'ai un peu mieux centré. Ah, c'est quand même très très étroit. Hein. Bon, voilà, 2,53. Allez hop, je viens poser et on va repartir. On va essayer de rechoper ce thermique-là. Voilà, 3 minutes de fête. So, my 3 minutes are done. I will try to go again for this thermal. Easy launch again. Around 30 meters, maybe a bit lower. So, I passed it, I think. So maybe about there. Yeah, it's moving. Yep, right there. So as you can tell, I'm not that good actually. I really need to go back to training to make myself as good as possible for the World Championship. Donc voilà, comme vous voyez, je suis pas au top du top non plus. Il faut vraiment que je reprenne les entraînements pour être au mieux au championnat du monde. Mais là, ce thermique me plaît pas, c'est très très faible. Bon, ça se maintenait à peine. Donc je pense que j'étais à côté. Mais le truc, c'est que ça me fait retourner dans le soleil. Donc pour la vidéo, c'est pas top. Là, ça se maintient un petit peu. Ouais, là-bas, il y a quelque chose. Waouh, et bah, c'est pas top. J'ai fait un tour, j'ai pris. Et après, bah, j'ai plus rien retrouvé, bizarrement. Donc là, j'en suis à 1,50. So I'm at 150, and as you can tell, I found something right there, but I did just one turn, and it's gone. And as you can tell, this glider can come back from really far away, really low, and it's what I like about it. Donc voilà, ça fait 1 sur 2. Donc on va recommencer. Parce que là, je pars devant. Donc voilà, si je lance à un tiers, voire un quart de ma hauteur de lancée normale, c'est vraiment pour me mettre en difficulté. So if I launch at one third of my launch height, it's because I want to really try to make myself into some difficulties. So right now I got something. Voilà, j'ai trouvé un truc. Donc les thermiques sont vraiment pas forts, hein. J'essaie vraiment de pousser un peu, mais ça monte pas quoi. Comme vous avez pu voir, à aucun moment dans le vol je suis monté pour l'instant. Et c'est pas parce que j'essaye pas. Hein. So as you can tell, thermals are pretty weak. I'm trying to climb, but it's not climbing at all. So making 3 minutes in this kind of weather is really challenging, and what is surprising is the sink are quite phenomenal. They are not easy sink, it's sinking really bad, and the thermals are really weak. So yeah, it's quite challenging weather. Yoo! So yeah, now I'm in the front of the thermal. If I can call this a thermal,
Even if I found something this time, I don't think I will be able to make it. I'm at 151 again. It's crazy how hard this is. But it's good training because it make me it. I need to be refocused on what I do, and this is what I need to a focused training. Oh, 2:30, maybe 2:45 possible. To 41. Not that bad, not that bad. Et on est reparti. So I launched a bit harder, j'ai lancé un peu plus fort, on est quasiment à 40 mètres. Almost 40 meters I think. No altimeters inside, of course. I only put altimeters in my glider for launch training. If I can improve something, then it's when I put the altimeter in. But my eyes are quite trained, so I don't need that much of altimeter. Okay, finally something looked like a thermal. It's not perfectly built because it's moving in every direction, but I think it's too early to get good thermals yet. Je pense que c'est trop tôt pour avoir déjà des bons thermiques. C'est compliqué quoi. Mais bon, là je devrais pouvoir faire mes 3 minutes assez facilement parce que ça monte malgré tout. Je suis allé dans la bonne zone donc ça devrait le faire. Comme vous le voyez, l'énergie spirale super bien. Hein. Là c'est juste la pompe est hachée comme pas possible. Donc faut vraiment beaucoup beaucoup jouer avec la profondeur. Là elle se stabilise un poil sur ce tour. Après un petit peu haché. Ça a décalé légèrement vers la droite. Là. So the thermal is pretty bumpy, but as you can tell the energy is stable. It's just as stable as possible and it's really really easy. Just a bit of rudder, a bit of elevator, and sometimes just put a bit of reverse ailerons, and all good. 2 minutes done yet. Ah, done already, I want to say. Yep. So, voilà, j'ai fait plus passer les 2 minutes, 2 minutes 11. Voilà, ça fera un bon vol pour conclure la vidéo, je pense. Mais voilà, le truc, c'est vraiment de réussir à bosser. Le but c'est voilà, pas faire des temps 3 minutes à chaque fois, c'est juste réussir à choper la pompe à chaque fois. Et là à chaque fois j'étais dans quelque chose, quasiment. Et le truc c'est que c'était jamais vraiment assez fort pour monter. Là j'ai chopé le meilleur truc, je me suis à peine maintenu, elle montait un petit peu à un moment. Donc c'est pas fou, mais voilà, en gros je suis content parce que ça m'a fait travailler. C'est ce qu'il faut. La qualité de spirale de l'énergie est top. So, as I told you already, today the target to work was not to make the target every time. The target is the limit. What I want to do is working my capabilities of catching a thermal low. And this is what I did. And as I can tell, even in really weak thermals, this is not the lightest glider. I think a light at less than 200 grams maybe would have catched better the thermals. But yeah, I think that was a great training, a useful training. I need to work a lot before the World Championship, of course, but still a long way to go, and I will keep working hard. Donc voilà, ça me montre aussi cet entraînement qu'il faut quand même que je bosse bien
je pense qu'un light à moins de 200 grammes l'aurait fait un peu plus facilement, voire l'aurait fait très facilement. Mais c'est aussi ça la part de difficulté, il faut savoir se mettre bien en difficulté. Se mettre en difficulté, ça ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit dur, et c'est ça qui fait progresser. Donc voilà, il y a encore une longue route avant le championnat du monde, mais j'espère que ces petits vlogs vous plaisent. J'espère avoir bien cadré avec la GoPro, et puis voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine. So, thank you all for watching, and see you next time. Bye!